Bonjour à tout le monde. Oui, il est super tôt. Je présume que vous faites encore des gros dodos. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je vous invite. Voilà, c'est le week-end. On va profiter pour aller activer sa glande pinéale. Qu'avez-vous pensé de la vidéo que j'ai faite? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez ici. Vous avez vu, j'ai posté cette vidéo pour l'Australie, mais aussi pour la nature et les animaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. Allez, on est parti pour cette glande pinéale. On s'installe correctement. Voilà. Les pieds bien à plat sur le sol. Voilà. Vraiment en position de travail, mais qui est une méditation, mais vraiment, voilà. On relâche les muscles du haut. Voilà, et c'est parti. Donc on va faire cette respiration. Donc c'est-à-dire j'inspire, je contracte d'abord les muscles du périnée comme si je me retenais de faire pipi. Ensuite les premiers muscles du ventre, je rentre mon nombril, je contracte les abdos supérieurs, je monte l'énergie jusqu'au niveau de la gorge et je viens tout mettre pour créer une pression justement pour cette glande pinéale, je bloque ma respire, je rebaisse mes épaules, je recontracte un tout petit peu plus fort et je relâche. Et là, on fait circuler le liquide céphalo-rachidien. On est en train de créer la polarité et de faire circuler l'énergie au bas. Voilà, on est prêt, prête. Voilà. Oh, mon énergie est en train de changer déjà, super. Allez, on y va. À votre propre rythme. Hein. Je vérifie le timing. Parfait. Vous faites évidemment à votre propre rythme. Hein?
Allez, deux dernières. Super, allez les mains sur le cœur. Merci à la vie. Merci à l'univers pour toute cette protection. Merci pour ce toit, même si je n'aime pas mon habitation, mais merci pour ce toit qui me permet d'être en sécurité. Et au chaud. Merci pour toute cette nourriture, pour moi et les miens. Merci d'avoir cette chance de pouvoir manger sainement. Merci à toi, mon corps, pour tout ce que tu me permets de faire. Pardonne-moi de tout ce que je te fais souffrir. Merci pour tout l'amour que je reçois. Merci pour ces prises de conscience. Merci d'être différente et privilégiée à la fois. Merci pour toutes ces personnes qui sont mises sur mon chemin pour m'aider à guérir, grandir et évoluer. Merci à tous mes sens qui fonctionnent. Merci pour ce couple qui me permet de grandir également. Merci pour mes enfants, petits-enfants, filleuls, neveux, nièces ou tout autre. Merci d'avoir accès à toutes ces activités culturelles et sportives. Merci à toutes les personnes du passé qui m'ont fait grandir à leur façon. Merci pour ce pouvoir de décision, cette liberté de l'esprit. Merci pour cette nature si belle. Merci pour toutes ces vibrations positives. Merci pour tout ce système de guérison
douce, allopathique, médecine classique. Merci pour tout l'argent que j'ai reçu et tout celui que je vais recevoir. Merci de pouvoir travailler afin d'honorer mes factures, mais surtout m'honorer moi et offrir. Merci à l'univers de me guider sur mon chemin vers ma mission de vie. Je te fais confiance et je lâche prise. Merci à la vie, à l'énergie, à l'amour. Merci et encore. Lumière, lumière. Lumière, 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 lumière. Merci, merci à toutes, merci à tous, merci pour ce moment. Voilà, alors j'avais un petit coup de pouce à vous demander. Voilà, donc j'ai ma page Facebook et j'ai besoin de votre soutien. Alors voilà, vous me remerciez souvent par mail, dans les commentaires. Et donc, ben, je voulais vous demander simplement de prendre quelques instants pour aller sur cette page Facebook. Je vais mettre le lien ici dans le texte et donc simplement d'y aller. De mettre une note, donc 5 étoiles, ce serait bien. Et surtout, de mettre un petit commentaire sur la manière dont vous vous sentez, la manière dont je travaille. Et ça aiderait vraiment ma page à prendre une ampleur. Merci déjà, merci de liker, de partager, un petit commentaire. Merci beaucoup. Je vous aime.